nous sommes en période électorale, donc votre préoccupation est légitime. Disons que il faut que les acteurs politiques jouent franchement le jeu qui est indispensable dans notre pays. Notre pays est encore un pays de communauté. Il est encore un pays où survivent plusieurs communautés les unes à côté des autres. Et le souhait des pères fondateurs, que ce soit dans le cadre du mouvement UPCiste qui est en quelque sorte la conscience première du peuple camerounais qui a lutté pour la libération de notre pays, que ce soit dans le parti unique, l'UNC, la préoccupation de fonder une nation est fondamentale. Et elle s'exprime et elle revient de façon systématique. La constitution d'une nation, c'est la construction d'une harmonie. Il s'agit de mettre ces différentes communautés avec chacune ses spécificités anthropologiques, dont forcément culturelles, ensemble, pour à la fois avoir une culture nationale camerounaise, mais en même temps une culture qui serait une prolifération de cultures. Et la question de la prise en compte des composantes sociologiques dans un espace politique donné devient donc une question primordiale, essentielle, dès lors qu'on voit qu'il faut que chacun ait sa place, c'est-à-dire il faut que chaque groupe social soit représenté dans la dynamique collective, la dynamique sociale générale. Et l'un des éléments essentiels de cette dynamique sociale générale, c'est la gestion du pouvoir politique. Parce que c'est le pouvoir politique qui met les gens ensemble, qui attribue à chacun une place, etc. etc. Vous comprenez donc que la question que vous posez, elle est essentielle. Et le législateur, à deux moments bien différents, en a pris acte. Par exemple, le constituant camerounais a estimé que dans la Constitution, et cela est mentionné dans le préambule, j'ai la Constitution ici, il est dit dans le préambule de la Constitution que l'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. Le législateur renvoie donc à une responsabilité qui appartient aux représentants de la nation. Voilà le jeu de l'Assemblée nationale. Et à partir de ce moment, nous comprenons donc très bien que la prise en compte des composantes sociologiques est une nécessité politique importante. Parce que le conflit est à côté. Mais en même temps, l'harmonie peut se réaliser. Mais si on ne fait pas attention, on peut ne pas avoir l'harmonie et obtenir le conflit. Dans l'article 164, alinéa 4-5 du Code électoral, qui parle des élections législatives, qui sont des élections locales, où les composantes sociologiques deviennent donc prendre en compte. Parce que vous verrez faire une élection dans une localité, et dans cette localité, vous trouverez les autochtones, vous trouverez ceux qui sont venus des autres contrées du pays, dans le cadre de la liberté que leur donne la Constitution, et leur garantit d'ailleurs la Constitution, ils sont libres de venir. Et ils viennent, mais comme ils viennent, ils trouvent les autochtones, et que vous venez faire des élections à ces endroits-là, eh bien, il est nécessaire de dire comment on doit faire pour les uns et pour les autres. Alors, vous voyez, le législateur va poser le problème de la prise en compte des composantes sociologiques aux élections législatives, aux élections municipales, de même qu'aux élections sénatoriales. Et nous verrons que plus tard, avec les élections régionales qu'on est encore en train d'organiser, de structurer légalement, parce que on n'a pas encore tous les éléments, on a la Constitution qui a posé le principe que le président du conseil régional doit être un autochtone. Nous avons proposé donc que la déclaration de candidature mentionne les indications sur la prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription à raison de 80% au moins
arrondi à l'entier supérieur, le cas échéant, pour les autochtones, et 20% reflétant la diversité ethnique de la circonscription. Je suis pour que, lors de la constitution des listes, pour éviter que les listes de candidats ne soient une source de marginalisation qui donc va générer à terme des conflits de représentation et forcément des conflits au point de vue du sentiment même d'appartenance à la même ethnie, eh bien, qu'on quantifie la prise en compte de la représentation sociologique. Je vous prends la parole rapidement parce que en fait nous n'avons pas grand chose à dire. Cette loi apparaît comme nécessaire parce que en route, lorsque les gens vendent en route, il n'y a pas de problème là-bas. C'est vrai. Lorsque les gens montent dans le car ensemble pour voyager, c'est pas là-dedans qu'il y a des problèmes. Les problèmes de tribalisme surgissent lorsque on est dans les mécanismes de dévolution de pouvoir que les partis politiques, pour 99% d'entre eux, à l'exception du RDPC, sont quasiment des partis tribaux, que le tribalisme est entré en politique. Si tous les partis étaient comme le RDPC, des partis nationaux, la question tribale ne se poserait pas. Dans le tribalisme, il y a la mise à l'écart de l'autre parce qu'il n'est pas de la même ethnie ou de la même tribu. Il y a une dynamique de sélection. De toutes les façons, on juge le maçon au pied du mur. Vous savez, aucune loi, lorsque vous avez une loi, vous ne pouvez pas du coup préjuger de son efficacité. Il reste que les gens qui sont chargés de veiller à l'application de la loi soient efficaces. C'est pourquoi vous entendez les gens vous dire que nous avons de bonnes lois, mais néanmoins la société marche dans tous les sens. Fondamentalement, le Camerounais est un individu qui a voyagé depuis des temps très anciens. Les Camerounais étant déjà une mosaïque de tribus, la diversité des origines ou des appartenances nationales n'a jamais été fondamentalement un problème au Cameroun. Parce que le Cameroun lui-même est une mosaïque. Donc, le Bamileke camerounais est habitué à voir qu'il existe les Bétis, il existe les Bassas. Donc, pour lui, qu'il existe aussi les Béninois, les Gabonais, ça ne constitue pas un handicap pour vivre. Il en est de même du Bétis qui est habitué à voir qu'il y a le Douala, il y a le Bami. Voir à côté de lui le Malien, le Sénégalais, ne constitue pas a priori un problème. Parce que depuis la nuit des temps, la constitution même de la nation camerounaise prépare les Camerounais à vivre avec la diversité. Vu comme ça, on peut craindre que lorsque certains aspects de la société qui peuvent être liés à la rareté finissent par amener les gens à considérer que l'autre n'est pas tout à fait moi-même. Quand vous regardez les Camerounais, et parce que depuis très longtemps, les Camerounais d'ailleurs, comme d'autres peuples africains, voyagent. Hein, quand vous écoutez et quand vous lisez l'histoire ancienne, vous voyez que le roi, le grand chef Douala, Douala Mangabel, a étudié en Allemagne, etc. Et puis vous avez les Paul Martin Samba qui, dans les années 1800 déjà, avaient immigré. Ils étaient allés ailleurs, ils sont revenus, etc. Donc il y a une grande culture de la connaissance des autres peuples chez les Camerounais. Donc fondamentalement, les Camerounais ne sont pas ni racistes, ni xénophobes. Et les pères fondateurs de la nation camerounaise, comme Oumyobé, ont depuis le commencement de la lutte pour la libération été impliqués dans une grande dynamique africaine.